téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, grosse salutation pour nous toutes. Nous contents d'entrer la caillou à l'heure ça. Pour nous porter rencontre là pour entre Haïti et l'équipe Sainte-Lucia, dans l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. C'est Massa, télévision nationale d'Haïti, porté pour vous dans le ça. Des équipes qui ont déjà foulé pelouse là pour que vous arrivez dans la bataille Kounia. Nous permettons de suivre l'hymne, donc équipe formation Sainte-Lucia. Salinienne, mesdames, messieurs, donc décor bel et bien planté entre Sainte-Lucie et Haïti. La grosse question que se posent certains amateurs du ballon rond entre Haïti et Sainte-Lucie. Donc, qui est-ce qui pourra le guérison? Eh bien, après 90 minutes, nous parlons connaît qui est-ce qui pourra remporter la victoire. C'est salutation d'usage après hymne national entre joueurs Sainte-Lucie et joueurs équipe nationale. Là, on a noté que match football Silla qui a pour le jouer entre donc Sainte-Lucie et Haïti était supposé donc fait depuis vendredi 12 octobre passé. Mais cause sélection Sainte-Lucie a gagné, disons, équipe Sainte-Lucie a donc noté rapidement. Donc pays Sainte-Lucie, donc li gagne pour au sport war, c'est cricket. Donc sélection cricket là, t'es gagné pour recevoir un match cricket dans la même date là, donc dans le même stade là. Donc il était obligé, mesdames, messieurs, déplacer pour que yo alge match ça yon l'autre côté et ensuite yo tapral et virer date match là qui fait li pas jouer. Donc Sainte-Lucie n'a pas les deux rencontres là qui était supposé faite 12 octobre passé là, mais Sainte-Lucie sport au préféré yo c'est cricket à cause sélection cricket Sainte-Lucie t'es gon match que t'as pour se voir dans stade que match tapral jouer à. Et bien yo tapral mandé pour que yo voue match ça dans l'autre date pour yo qui a fait jodi là. Donc mesdames, messieurs, c'est Trivester Richards. Richards Trivester, lui-même qui c'est arbitre central match football c'est là. Richards qui pourra le gagner pour que lui diriger match football c'est là entre Haïti et formation Sainte-Lucia. Donc qui est-ce qui va le guérison? Donc les retours que nous tenons, nous avons noté dans la première journée, hein, formation haïtienne, équipe nationale qui était pulvérisée, formation Saint-Martin néerlandais dans stade Silvio 14. Donc qui était laminé 12 goals à 0. Et disons, là-dedans, tu as gagné 5 goals qui étaient inscrits. Et mesdames, messieurs, par Duken Sinazon, qui dommage, pas présent. Voilà en gros mes compositions, formation nationale là, et Haïti qui a joué donc rapidement dans le goal. C'est pral avec Johnny Placide comme goalkeeper titulaire équipe Silla. En défense, c'est pral James Geffrard, Meshack Jérôme. Donc Carlens Arcus avec Alex Junior Christian à présent. Brian Alceus, Sonny Mustiva, Charles Erol Junior, Zachary Erivoap, Napitan Terrien. Et puis, non, et disons en attaque, c'est pral Derrick Junior Etienne, Franzi Pierrot, qui était marqué un doublé contre et formation Saint-Martin néerlandais dans stade Silvio 14. Et bien c'est équipe ça qui est présent jeudi pour équipe haïtienne. Donc dans quelques instants, amis téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, habit central là, monsieur Richard Trivester pourra by coup d'envoi rencontre Silla. Donc il rencontre qui pourra l'opposer Haïti à Sainte-Lucie en occasion deuxième journée Ligue des Nations de la CONCACAF. N'a noté rapidement, Matsa t'es supposé jouer dans le pays Sainte-Lucie depuis vendredi 12 octobre. Mais cause sélection Sainte-Lucie cricket là, t'es gagné pour le recevoir un match cricket dans le même stade là. Vous l'avez dit passé, y'a obligé de déplacer match là et changer de date là. Donc qui fait la jouer jeudi à dans le pays Martinique. N'a noté que et cricket c'est sport wa pays Sainte-Lucie. Voilà, donc décor yo planté, c'est formation Sainte-Lucia qui pral bail coup d'envoi match football si là. Et voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est parti. Donc coup d'envoi qui bail rapidement et yo font long ballon profondeur, mais yon ballon qui allait en 6m50. C'est goalkeeper n'a pas directement de donc Johnny Placide qui joue en défense li, li joue à droite côté le joint dans position de James Giffard. Li capable mouvé la droite en direction de Arcus Carlens, li préfère jouer en profondeur. La long ball, quelle déviation sur le flanc droit. On attend le centre qui a d'avenir, mais ballon repoussé au niveau de la défense. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Il donc yo ouvel à gauche dans zone ça. Il a joué rapidement, mesdames, messieurs. Il a joué comme Sonny Mustiva. Là, les sous blanc solo. Charles Roll Junior qui a laissé centrer en direction de Franzi Piero. Mais ça ne marche pas. Dégagement touche au niveau de la défense de la formation Sainte-Lucie. C'est un dégagement signé. Et cut Frédéric au niveau de la défense centrale. Donc, retouche refaite rapidement. Alex Junior Christian, calé en direction de Meshack Jérôme. Meshack Jérôme qui
qui joue dans l'axe en direction de Brian Alceus. La passe en profondeur. Oui, nous capables bonsoir sur ça. Mais heureusement, goalkeeper a sauté. Et il fait intervention rapidement sous menace junior d'Eric Etienne. Donc, goalkeeper, formation Saint-Lucia. Donc, sans perdre de temps, mesdames, messieurs, qui va relancer la longue balle du pied droit. La tête offensive. Oui, on attend ce que ça va donner. Mais finalement, l'arbitre central de cette rencontre, amis téléspectateurs, arrête la rencontre pour donc octroyer un coup franc pour l'équipe. Donc Saint-Lucie, c'est lui-même qui a poursuivi le match là. C'est vrai match là a fait dans le pays Martinique. Mais n'a noté que c'est formation Saint-Lucia qui a poursuivi le match là. Puisque rencontre là était supposé jouer de la Caillou vendredi 12 octobre passé. Mais à cause donc pays Saint-Lucie, sport préféré c'est cricket. Et bien sélection cricket là a un match que l'a poursuivre dans la même date ça. Et bien t'es préféré à le jeu match en l'autre côté. Dans l'autre date. Coup franc balancé rapidement. La déviation de la tête, la deuxième balle favorable pour l'équipe nationale, la passe en profondeur en direction de donc Junior de Kétienne, mais finalement ballon contrôlé par la défense de l'équipe Saint-Lucie. Il va recommencer avec Pernal Williams. Pernal, la passe de Pernal sur le flanc droit à la recherche de Zen Pierre, le capitaine, mais finalement c'est une passe précise, le ballon est allé disons en touche. Vous suivez en ce moment la télévision nationale d'Haïti à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Yon long ball en profondeur. Quelle déviation. Mais bon retour au niveau de la défense. Retour signé. Mesdames, messieurs, Alex Junior Christian. La passe. L'équipe nationale contrôle la balle. Yo joue dans zone ça avec Brian Alceus. Qui ça le va le faire? Li échangé de côté. Dans zone ça. Li supposé jouer une Carlins Arcus. Mais donc c'est une passe précise. Yon ballon qui filait. Ami téléspectateur en touche. C'est pour Lyon rentrer de touche pour équipe Saint-Lucia. Qui a recevoir match si là n'a noté que donc dans même stade ça, dans même stade ça à côté match football si là a joué, eh bien n'a pas noté que Martinique fait battre Île Vierge. Martinique qui bat Île Vierge 4-0. N'a noté que Île Vierge britannique gagné 2 goals qui inscrit dans arrêt de jeu. Donc dans un compte qui était opposé Martinique contre Île Vierge, c'était dans même stade si là. Ballon contrôlé pour l'équipe nationale. Méchac Jérôme, Méchac qui est très calme. La passe de Méchac en profondeur en direction de Franzi Pierrot. Franzi Pierrot perd la balle. La deuxième balle favorable pour l'équipe Saint-Lucie. Il a préféré jouer dans zone ça avec Malik Saint-Pré. Malik qui fait du ballon. Non, l'a laissé jouer en profondeur. Mais bon placement au niveau de l'équipe nationale avec Sonny Moustiva. Oui, quel dribble. Mesdames, messieurs, attaque à ras de terre pour récupérer le ballon. Il a préféré jouer en retrait ce goalkeeper sans perdre de temps. Et donc qui relance la passe en profondeur. Danger pour la sélection nationale. Danger pour nous mettre en jeu. Mais heureusement, la sortie salvatrice du portier haïtien. Et mesdames, messieurs, Johnny Placide qui était conjoint au danger. Mais t'as le gain hors jeu sur action si là. Donc c'est la 4e minute de jeu. Dans quelques secondes, c'est près la 5e minute entre Haïti et Saint-Lucie. Ou sous télévision nationale d'Haïti dans le SA. Ou à suivre un contre football si là. N'a pas noté que. Équipe Silla et qui a joué avec un pile dans Cadlio et exception faite pour Dukens Nazon qui va présent. Oui, non, et souterrain pour équipe nationale là. Mais il y a un ballon qui est capté facilement par le portier. N'a pas directement de Edwin Placide. Zachary Erivo. Zachary Erivo calé en direction de Sonny Moustiva. Moustiva, non, c'était Junior de Chrétienne. Junior de Chrétienne calé en direction de qui sait bien. Zachary Erivo la passe. En retrait vers Brian Alceus. Il préfère jouer sous Méchac. Méchac, il est capable de jouer à gauche sous Soninon. Il préfère jouer dans l'axe en direction de Zachary. Ouverture sur le flanc droit en direction de Arcus Carlins. On attend le centre de Arcus Carlins. Mais il joue en direction de Zachary. Oui, sélection nationale là, qui est contenté de circulation de balle là. La passe en profondeur. Oui, quelle déviation. Ouvert à droite. Non. Et Blanc Solo est donc conserver la passe en profondeur, la passe en hauteur pour l'instant, c'était Moustiva, mais dégagement au niveau de la défense, la deuxième balle favorable, toujours pour l'équipe Saint-Lucie, il y a absolument mes ballons perdus, attaque, Chalerol Junior, le tir lointain de Chalerol Junior.
sort. Il y a un ballon qui est capté facilement par goalkeeper équipe Saint-Lucia. Donc sans hésiter, qui dégage rapidement en direction de Riedel. Riedel n'a pas poursuivi là, mais frappe là et goalkeeper a quitté. Donc après nommé qui capte ballon sans difficulté. Donc c'est toujours 0-0. Si on a peine rejoint nous ou sous télévision nationale d'Haïti, 0 pour formation Macola, 0 également pour formation McDonald Francis Lan, qui c'est coach formation Saint-Lucia. Yon ballon qui mal fait, mais finalement joueur football était présent. Parlant de joueur Saint-Lucie qui quand même prend le ballon et qui récupère la passe à profondeur, l'équipe haïtienne et récupère la balle. Donc en défense centrale, il y a joué avec qui, c'est James Zifra qui est capable ouvert en direction de Méchac. Il préfère jouer sous Carlins Arcus et sous flanc droite là. Il a combiné très bien. Oui, on attend. Oui, attention, la passe en direction de Franzi Pierrot. Mais et mesdames, messieurs, et la sortie du portier de la formation de Sainte-Lucie et qui va relancer rapidement. Relance manuelle réalisée par qui, c'est bien Giovanni. Mauvaise relance. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Attention, n'a pas avancé très bien. Jouer à droite. On attend le centre. Centré. Le joueur football à Calais, centré. Le centre à ras de terre. Mais pour personne. Zachary pour la deuxième balle. Le centre de Zachary dans la boîte. Zachary qui voulait alerter son ami Franzi Pierrot. Mais malheureusement, et ça n'a pas porté rien. Son ballon a mis le téléspectateur qui sautit en 5 m50. Goalkeeper. Donc dans quelques secondes, poil relancer rapidement. Et pour équipe aussi là, n'a noté mais quelques, disons, n'a précisé quelques résultats qui fait dans l'occasion. Deuxième journée, Ligue des Nations de la CONCACAF. Il y a Cuba qui te bat Grenade 2-0. Bermude malmené Saint-Martin 12-0. Guadeloupe sous Bopal. Disons, on a parlé de Saint-Martin néerlandais que Bermude bat 12-0. Guadeloupe sous Bopal dominé Saint-Martin et Français 3-0. Et puis Martinique te bat Porto Rico sur le strict minimum 1-0. Nicaragua te malmené. Donc, mesdames, messieurs, Antigua 6-0. Et puis Jamaïque, lui-même, il te fait victoire tout. La passe en profondeur. Oui, quelle attaque, quelle combinaison. Charles Rolpag est arrivé. Mais c'est défense équipe Saint-Lucia qui gagne raison. La passe en profondeur. Mais c'est pour Méchac Jérôme. Méchac balle au pied. Ballon perdu. Saint-Lucia à l'attaque. Yo pas calé. Yo préfère retourner. Yo pral recommencer jouer là. Yo joue à droite. Dans zone ça. Y a joué dans le monde qui est là. Donc Alvinus Mars. Oui, yo capable de jouer en retrait. C'est ça Méchac fait. Méchac obligé de jouer en retrait. Sous Johnny Placide. Johnny qui joue du pied droit en direction de Arcus Carlins. Arcus, réception d'Arcus en direction de Brian Alceus. Alceus pour Arcus. Ça se joue entre Arcus et Brian. La passe dans l'axe pour l'instant en direction de qui? Oui, équipe haïtienne a joué très bien. Ouverture sur le flanc gauche en direction d'Edéric Junior Etienne. Le centre dans la boîte de Edéric, mais dégagement de la tête. La deuxième balle favorable pour l'équipe de Sainte-Lucie. Et finalement, il y a faute. Il y a faute aux dépens du joueur de l'équipe jaune et bleue. Et l'arbitre central suivait de près cette action. Il octroie un coup franc pour l'équipe de Sainte-Lucie. Il y a faute effectivement. L'intervention était du dossard 5 de l'équipe nationale. Et donc Carlins Arcus, c'est lui qui a commis la faute aux dépens du joueur de Sainte-Lucie. 0 goal dans chacun. Si on a peine rejoindre nous dans le ça ou sous télévision nationale d'Haïti, côté nos beautés pour vous. Rencontre qui opposait Haïti contre Sainte-Lucie dans l'occasion de deuxième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. La passe en retrait, disons, dans l'axe du terrain. Sony Mustiva. Mustiva change de côté en direction de Carlusa et Carlins Arcus. La passe de Mustiva côté de Juan Zachary. Mais ballon perdu. Oui, l'équipe Sainte-Lucie et contrôle la balle sur le flanc gauche. Par qui sait bien, Charles Evans. Evans Charles, la passe en profondeur. Mais c'est le portier de l'équipe nationale, Johnny Placide, qui contrôle en jouant sur son ami Méchac Jérôme. La passe de Méchac vers
Brian Alceus, Brian toujours, Brian, oui, l'équipe haïtienne contrôle très bien. Yo joue en direction de James Giffard Boukounia. La passe, oui, sur le flanc droit, en direction de Karlins Arcus, donc qui monte balle au pied. Le centre, mais ballon repoussé au niveau de la défense. La deuxième balle favorable pour l'équipe de Saint-Lucie, mauvais contrôle. Il y a faute. Et voilà, il y a faute. Faute pour l'équipe nationale. Abitla qui estimé ont fait faute sous Derrick Junior Etienne et les sanctionné intervention. Joueur équipe Saint-Lucia sous ballon gagné. Meschak Jérôme n'a poursuivi action encore une fois, chers téléspectateurs. Il y avait faute effectivement. Coup franc pour l'équipe haïtienne. Meschak Jérôme présent. Également Charles Roll Junior. Sans oublier Derrick Junior Etienne. Yo 3 qui sous ballon 1. Napton pour nous, qui sa combinaison sa pral poté. Mais Marcola avant match là, te dit nous mettre tes têtes frettes, la pauvre. Donc yon victoire avec PIA. Haïti 0, Saint-Lucie 0. De moun sous ballon 1. Oui, attention, mais Charles Jérôme Calé. Oh là là! Au-dessus de la barre transversale. Début de garde par le portier de l'équipe de Saint-Lucie. La poursuivre coup franc encore une fois. Donc, ballon qui passe tête goal. Ballon relancé rapidement par le portier sur le flanc gauche par Shaw Evans. Evans Shaw, balle au pied. La passe dans l'axe. Ballon perdu. Récupération pour l'équipe haïtienne. La passe en direction de qui? Oui, dans zone ça avec Sony. Sony Mustiga. Calais se vient en direction de Zachary. Ça ne marche pas. Déviation de la tête. Oui, le danger persiste. Il n'y a rien. L'arbitre central fait signe de continuer. Ballon joué en profondeur. Qui est-ce qui a privé? Ouverture propre. Elle ne sait pas James. Non, attention, nous avons un goal. Oh là là! La sortie salvatrice de Johnny Placide qui évitait de prendre là, qui sauvait sélection 1. Donc, suite avec une mauvaise passe, mesdames, messieurs, que James Jeffrey après le fait. Donc, nous allons pour le tourner. Réalisateur, bien sûr, nous allons pour le tourner sur action ci-là. Attaque, danger pour celui-ci. Premier goal peut-être. Et go! Goal. Haïti ouvre ce goal 1. 1 pour Haïti. 0 pour cette nuit-ci. D'après celui-là, Derrick Junior Etienne qui s'entrait dans la surface de réparation 1. Et puis là, Haïti marqué. Premier goal là. Premier goal maintenant, c'est nous qui marquons. Nous allons que nous identifions buteur dans le bout. 1 pour Haïti, 0 pour cette Lucie dans l'occasion. Voilà. Donc, 1 pour Haïti, 0 pour cette Lucie dans l'occasion. Deuxième journée, Ligue des Nations de la CONCACAF. On a voté jeudi en amical. Le Brésil s'impose 1-0 face à la sélection d'Argentine de football. Dans les derniers instants du match, 1 pour Haïti, 0 pour Saint-Lucie. Ballon contrôlé en territoire de l'équipe jaune et bleu. Ballon perdu, la passe en profondeur. Ballon dégagé par James Geoffroy. Donc un ballon aérien. Qui est-ce qui a contrôlé dans zone ça? Et c'est bien Kurt Frédéric joue en profondeur. La longue balle de Kurt Frédéric. Un ballon qui pape sorti. Et bien dans zone ça. Et gagné Meschak Jérôme qui a le ballon. Meschak Jérôme qui s'appuie en direction de Johnny Placide. Johnny Placide très calme. Donc le portier expérimenté Johnny Placide qui joue. Et mesdames, messieurs, le long point sur le flanc droit à la recherche de Arcus Carlins. Mais ballon est récupéré rapidement par l'équipe de Saint-Lucie dans l'accès du terrain. Par qui? Et Cassius Joseph, la passe danger pour Haïti. On attend ce que ça va donner. Mais il y avait hors-jeu. Signal l'arbitre central de cette rencontre. Il y avait hors-jeu. Donc c'est pas le coup franc pour l'équipe haïtienne. Donc 15e minute de jeu. 1 pour Haïti, 0 pour l'équipe de Saint-Lucie. C'est sous télévision nationale d'Haïti Courrier. Donc nous faisons le devoir pour nous porter pour vous. Rencontre football Silla, puisque dans la première journée, nous sommes présents dans le stade Silvio 14. Donc, pour débuter le match entre Haïti et formation, donc cette, disons, entre Haïti et formation ce matin, nous sommes présents, nous sommes pour Meschak Jérôme balle au pied, Meschak Jérôme qui joue en profondeur.
mais la passe de Michel Jérôme est mauvaise. L'équipe s'est ici pour la deuxième balle. Il y a besoin de profondeur. Oui, et donc qui s'habite la dit, il n'y a rien. On joue dans l'axe par qui Zachary. Oui, est-ce qu'il fait faute sous libre? Et effectivement, habite central en bail coup franc. Et pour l'équipe haïtienne de football, donc qui mène 1-0 au départ de l'équipe de Saint-Lucie, la passe en profondeur. Oui, dans autre ça, c'est James Jeffra qui jouait à gauche en direction des Derry Junior Etienne. Mais tac là, ballon pas sorti. C'est défense équipe, c'est tout ça qui a raison. Et finalement, habite la balle retirée en coup de football là. Et pour le baillon coup franc pour formation. Donc cette Lucia d'abord. Ils sont d'ailleurs qui a pas suivi le match là. Non, mais équipe haïtienne, non. Ils sont face à l'équipe haïtienne, non. N'a pas suivi là. Donc, côté habitat estimé, Alex Junior Christian. Donc, t'es fait faute sur ceci là. Johnny Placide, le portier de l'équipe haïtienne, très calme, qui fait écouler quelques secondes. Placide en direction de son compère, James Jeffra. La longue balle en avant de Jeffra. En direction de Franti Pierrot. Pour faire contrôle de Franti Pierrot. La deuxième balle pour qui? Méchac Jérôme. Méchac qui joue à droite. Carlins Arcus. La longue balle de Carlins. Donc, nous sommes tous les côtés de droite là. C'est là que nous y sommes. Sous cette droite là. La passe en profondeur. Vers qui c'est Junior Derrick. Le centre de la boîte. Danger pour cette lucide. Danger écarté. Mais la deuxième balle favorable pour nous. Mais finalement, intervention autoritaire. Donc, réalisé par qui? C'est des Riddell Stanislas pour l'équipe de Sainte-Lucie. Ils ont mal joué en retrait. C'est ça qu'ils ont fait. Côté un jeu de zone ça. Charles Evans, la passe en profondeur. Quelle situation de bol. Voilà. C'est lui qui voulait réveiller le match. C'est lui qui commence à réveiller la 17e minute de jeu. Donc 0 pour cette lucide. 1 pour l'équipe haïtienne. Dans l'occasion, 12e journée. Ligue des Nations de la Coupe CACAF et Télévision Nationale d'Haïti. Présent pour le fort vivre contre le football ici là. Il a joué à gauche dans zone ça. Avec qui est Zane Pierre qui va jouer dans la direction de Malik. La laisser combiner sous Malik. C'est ça qu'il a fait. Ça se joue entre les joueurs de l'équipe de Saint-Lucie. L'attention, attaque, danger pour nous. Mais ils ont passé en profondeur. Ça n'a pas porté rien. Intervention du portier haïtien et Johnny Placide qui paquait les ballons sautis. Et il a fait écouler quelques secondes. Placide qui se prépare à relancer pour l'équipe haïtienne. Là, les sous James Jeffra, son copain défensif. James Jeffra va se battre au pied. James Jeffra, la passe de James en direction de Zachary. Non, c'est Chaléol Junior, mais ballon contré. Il sorti en touche. Il y a une touche pour formation haïtienne qui va le faire par Emmanuel Junior Etienne. Alex Junior Christian, mais joueur football l'entrée fichée, donc elle n'est pas guettant et qui contrôle le ballon. La deuxième balle favorable pour nous avec qui Mustiva, de Derry Junior Etienne, Derrick, non, il y a attention, la piste est combinée, mais finalement, il a arraché le ballon à pied et il a mis le ballon ça en corner. Donc nous est là dans ce stade là. Et la plus cap tombée, c'est Talion rentré de touche avec Alex Junior Christian, calé en retrait sur James Jeffra. James Jeffra joue axia dans l'axe, disons, en direction de son copère, Méchac Jérôme. Méchac, la passe de Méchac Jérôme en direction de Edéric Junior Etienne. La passe dans la boîte, quelle déviation, mais le ballon est allé, mesdames, messieurs, au-dessus de peu serait été le second but de l'équipe haïtienne. Mais dommage, ça n'a pas coûté rien. C'est pas lui en relance au point des 6 mètres pour la formation de cette Lucie Naposoud là. D'un côté, donc, Naposoud saute là. Puis là, Franzi Pierrot, t'as le fait déviation. Hein. La pluie a qui continué à tomber dans ce stade là. Oui. La pluie qui continuait à tomber. On a noté, c'est dans le stade municipal Pierre-Aliquelin du côté de Fort-de-France, Martinique. C'est là que nous y est. Attention, la passe en retrait. Deuxième goal peut-être, non. C'est reprise là qui a bas nous. C'est reprise là qui a bouqué nous. Côté Haïti, t'es marqué. Green goal match ball là. On a joué Kouya dans l'axe avec qui? C'est bien Brian Alceus. La longue balle de Brian sur le plan gauche en direction de Junior Alex Christian. Mais t'es une position avancée. C'est ça qu'habite la signalé.
c'est pas Lyon Koufran et pour formation c'est Lucia donc qui a subi match là face à l'équipe nationale là 0 pour cette Lucie et pour l'équipe haïtienne c'est pas Lyon Koufran pour l'équipe de cette Lucie on attend ce que ça va donner yo jouer donc un et propre match de terrain yo en direction de Malik mais ballon perdu récupération pour l'équipe haïtienne avec qui Charles Roll Junior balle au pied Charles Roll toujours en direction de Franzi Charles Roll ça le fait très calme oui il est capable de jouer en retrait donc il est sur Sonny Moustiva oui l'équipe haïtienne avec Zachary la passe en retrait en direction de James Geffrard qui ça le fait James Geffrard est très calme James qui joue en direction de et Alex Junior Christian attention on a regardé dirigeant Etienne qui a laissé faire parler de technique mais ballon contre le sauti en touche pour l'équipe haïtienne Derrick Junior Etienne qui a laissé Zachary Rivo, la passe de Zachary est mauvaise, la deuxième balle récupérée par l'équipe de Sainte-Lucie, oui, et quel dribble réalisé par Malik Saint-Prix qui retourne sur lui-même pour l'éviter, adversaire Lyon, équipe Sainte-Lucie, gain contrôle ballon toujours, il va jouer sur le côté gauche là, et attention, ballon joué de la poitrine par Riddell, mais Riddell perdu, contrôle ballon, oui, c'est Méchard Jérôme, défenseur expérimenté, ancien défenseur Baltimore qui est fait du blanc, mais il fait faute sous lui et habite central là, bail Koufran, non avantage formation haïtienne là. Donc Méchard Jérôme, la passe de Méchard a laissé sur Charles Roll Junior, ça ne marche pas et c'est bien. Et donc Cassius qui contrôle la balle pour l'équipe de Saint-Lucie, yo dans le territoire, équipe nationale là, la passe en profondeur, quelle déviation de la tête dans les bras du portier haïtien Johnny Placide. Donc qui capte le ballon pour Grenadier, il est relancé sur Alex Junior Christian. Oui, quelle passe, mais donc récupéré par un joueur de l'équipe de Saint-Lucie. La frappe lointaine, mais mesdames, messieurs, donc c'est pour la galerie, c'est pour du vent. Le ballon italien, 7,50 m, c'est pour Lyon. Remise en jeu pour les Grenadiers qui mènent au score 1-0 du Placide. La but qui continue à participer. Donc mesdames, messieurs, et dans ce stade-ci là, et qui c'est donc stade municipal Pierre Aliker de Fort-de-France là, du côté de Martinique. C'est là que match football a déroulé. Il y a un match qui est supposé faire donc Sainte-Lucie, mais et pays ça, sport préféré aussi cricket. Eh bien, donc sélection nationale cricket Yoa, c'est un match que le TAP recevoir dans la date qui était vendredi 12 octobre là. Et le TAP a le jeu match ça, non, le TAP a le match que donc il y a un match là, non, l'autre date et l'autre côté pour yo, qui fait que yo choisi Martinique pour y a le jeu match là, jeudi à, il y a un match Jean Doulan qui est supposé fait depuis un vendredi 12 octobre. Donc il y a fait jeudi à, eh bien, Haïti déjà prend le dessus, n'a mené yon à 0 sous yo. Donc Haïti cette fois-ci sur la télévision nationale d'Haïti, la 23e minute de jeu de quelques secondes, c'est pour la 24e minute. Salutations à tous, salutations également à notre ami Jean-Garry Adrien, le directeur des sports, Joël Norvius, Spin Griffon et Steven, Gérard Junior Joseph, Guy Petit Frère, Jérôme Pierre, oui, Franck Saint-Ville. Salutations à toute l'équipe. Oui, attention, mais il y a faute, effectivement, il y a faute au dépens du joueur de l'équipe de Sainte-Lucie. Salutations spéciales au directeur général de la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Monsieur Gamal Augustin, oui, qui réalise un travail de titan au niveau de la Télévision Nationale d'Haïti et la Radio Nationale. Monsieur Gamal Augustin, vous êtes salué. L'équipe haïtienne pour la deuxième balle avec Charlie Roll. Oui, il est capable d'ouvrir la droite. Côté Abjouin. Donc, Carlin Sarkus. On attend ce que ça va donner. Oui, mais bon retour au niveau de la défense. Et ballon sauté en touche. Abitla qui tranché. N'avantage formation cette Lucia. Puisque l'estime que ballon était dévié dans le pied. Carlin Sarkus. 1-0. Soit à peine rejoindre nous. Haïti a mené 1-0. Donc l'idée était pour que nous identifions pour dans quelques secondes et but pour l'équipe haïtienne non, la passe en profondeur, quelle déviation, c'est Méchak qui récupère en défense centrale, Méchak préféré, donc recommencer à zéro, là le sous Johnny Placide, Johnny Pral quitter le pour James Geffrard, non, Johnny préféré, retourner ballon sous Méchak très calme, Méchak libre de tout marquage, Méchak Jérôme qui joue en profondeur en direction de Sonny Moustiva.
Bar, Messan, attention, l'équipe haïtienne pour la deuxième balle avec Charles Roll Junior. Deuxième goal peut-être, mais non. Nous passons tout près au deuxième goal, Franzi Pierrot. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Non, c'est Sonny Mustiga. Nous passons tout près au deuxième goal. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Quelle relance du portier de cette Lucie. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Mais Abitla qui estimait que Tegui photo sous. Donc, mesdames, messieurs, donc Brian Alceus et Libaillon couffrent un avantage. Équipe nationale là, James Geffrard qui accompagne Yak et donc Meshack Jérôme en défense centrale. C'est deux Mounsao qui a joué en défense centrale pour nous. Alors qu'à droite nous gagnons donc Carlins Arcus et à gauche nous gagnons Alex Junior Christian. Dans le terrain, c'est Brian Alceus, Sonny Mustiva avec Charles Roll Junior et puis devant et Fandi Pierrot, Zachary Rivo, Derrick Junior Etienne. C'est Mounsao qui a joué pour l'équipe haïtienne. La passe de James Geffrard sur Meshack Jérôme. Meshack, attention, la longue balle de Meshack, danger pour cette Lucie, mais il y a faute. Il y a faute, signal à la bite centrale. Faute pour l'équipe de cette Lucie. Oui, il y a faute. N'a noté Jodia, la France. Elle bat l'Allemagne 2-1. La Ligue des Nations de l'UEFA. Oui, notons également la victoire du Brésil face à l'Argentine, 1-0 en amical. La passe en profondeur, quelle déviation de la tête. La deuxième balle, toujours pour l'équipe de cette Lucie. Oui, passe hasardeuse, mais le joueur donc lit, donc contrôlé rapidement et le récupéré. Attaque pour l'équipe de cette Lucie. Ballon là, Noël là, ballon qui parfois gagne du mal pour le circuler. Oui, le joueur qui tourne sur lui-même. Quel tour de rein, la passe en profondeur en direction de Riedel, mais bon retour réalisé par Carlins Arcus et un ballon qui sortit en 5m50. Un match qui a déroulé sous l'appui d'un moment à Paléa du côté de Martinique. Un match qui a déroulé sous l'appui du côté de la Martinique. L'équipe haïtienne 1, cette Lucie 0. On joue sur le flanc droit par Carlins Arcus. Carlins Arcus, la longue balle en profondeur, déviation au niveau de la défense de la formation de cette Lucie par Kurt Frédéric. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Oui, ça va passer, dégagement au niveau de la défense de Martinique et de cette Lucie, disons. La deuxième balle pour qui? Favorable pour l'équipe haïtienne, mais équipe cette Lucie après ballon 1. C'était une mauvaise intervention, mesdames, messieurs, de Brian Alceus qui pas de guettant, disons, qui tapral et donc trébuché sous le pelouse là, danger pour Haïti. Mais bon retour, oui, bon retour de Meshack Jérôme pour le mettre ballon ça. Et donc en touche. Et Abitla qui dit que il y a une mauvaise touche. Et c'est pour Lyon de touche cette fois-ci pour l'équipe haïtienne. 1 pour Haïti, 0 pour cette Lucie. Dans l'occasion, deuxième journée, Ligue des Nations de la CONCACAF que Télévision Nationale d'Haïti pote pour vous. D'abord, une idée rapidement de 11 monde qui démarrent match là pour Haïti. Dans goal gain Johnny Placide. Et puis, il joue avec Carlins Arcus, Meshack Jérôme. Il y a également James Geffrard, Alex Junior Christian, Brian Alceus, Zachary Rivo, Sonny Mustiva, Charles Roll Junior, Franzi Pierrot, Derrick Junior Etienne. C'est 11 minutes à l'heure cap. Joue attention, deuxième goal. Oui, mais bon retour au niveau de la défense. Et pour mettre le ballon ça en touche. Oui, Zachary est capable de marquer deuxième goal là pour nous. Ballon contrôlé pour l'équipe haïtienne. Avec qui? C'est bien Derrick Junior Etienne. Derrick Junior Etienne qui a laissé jouer en direction de Franzi Pierrot. Ça n'a pas marché. Bon bataille pour posséder ce ballon. Hein. Finalement, c'est cette Lucie qui a raison. La passe en avant en direction de Rémi. En douce Rémi. Oui, danger pour l'équipe haïtienne. La frappe lointaine. Ça n'a pas qu'à inquiéter Johnny Placide. Johnny Placide qui capte le ballon. Johnny qui peut le relancer rapidement. L'aller dans le mi-terrain. Côté de joindre, mesdames, messieurs. Et donc,
Zachary Rivo, Zachary Rivo, la passe de Zachary, mesdames, messieurs, précise, ballon sauté en touche, rentrer touche rapidement pour l'équipe de Sainte-Lucie, Yonan pour moitié de terrain, il y a en profondeur en direction de Riddell qui tourne sur lui-même, Riddell toujours, Riddell, donc marqué de près par deux joueurs de l'équipe nationale, et finalement, lui fait ballon en profondeur, et ballon qui dévie, qui saute en touche, Yon rentre touche rapidement pour formation Sainte-Lucie. Salutations à monsieur et madame Serge Bien-Aimé, Cap Suive Télévision Nationale d'Haïti. Dans le ça, la passe axiale, mais ballon perdu, la passe est mauvaise. Récupération pour l'équipe haïtienne, ballon qui gagne du mal pour circuler. Donc, sous pelouse là, puisque match l'a déroulé, donc sous la pluie, non, bon, on n'a pas à la, et gain faute. Faute pour, et donc la formation de cette ici, et c'est pas Lyon coup franc qui prend le fait rapidement. Donc, il y a, disons, le coup franc qui prend le fait rapidement. N'a pas joué, non, on a parlé à la 31e minute de jeu. N'a pas noté que Haïti a mené 1-0. C'est Sonny Mustiva qui marquait pour l'équipe nationale dès la 13e minute de jeu. Sonny Mustiva permet à l'équipe haïtienne à mener. Donc, yon goal à 0. Oui, donc relance ratée, mais la deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Avec qui? Et c'est bien dans zone ça. Mustiva, mais ballon pas perdu. Récupération et ballon sauté en touche. Yon touche pour l'équipe nationale. Non. Yon touche qui fait rapidement. Et par Alex Junior Christian. Alex Junior Christian calé en retrait. Côté le vin, mesdames, messieurs, Brian Alceus. Brian Alceus calé. Et sous Chaléol Junior. Chaléol Junior, la passe à gauche. L'équipe haïtienne contrôle la balle. Donc Jean-Baptiste là est là. Yon pas supposé précipiter. Puisque ballon parfois il a du mal pour circuler sous pelouse là. Puisque match là a déroulé. Donc dans l'appui, la passe en retrait. Deuxième goal peut-être. Danger pour cette Lucie. Deuxième goal peut-être. Ballon contré. Donc un rebond favorable pour l'équipe haïtienne. Finalement, ballon dégagé. La deuxième balle pour qui? Ballon sauté en touche. C'est pral et disons le Carlins Arcus qui pral et fait entrer touche le fait rapidement. Et il y a une faute sous habit là. Au dépens de joueurs haïtiens. Et Abistral là qui baille. Donc il y a un coup franc pour l'équipe haïtienne de football qui mène au score. Et grâce à un but réalisé par mesdames, messieurs, et Sonny Mustiva de la 13e minute de jeu. Coup franc pour l'équipe haïtienne. Ce ballon a gagné plusieurs monde. Il y a un dirigeant haïtien, mais chaque présent également. Est-ce qu'il prend exactement ou encore l'a quitté pour Derrick Junior Etienne? Donc un aptant pour nous, qui ça l'a fait? Oui, attention, c'est Meshak Kal exactement, mais goalkeeper, équipe Sainte-Lucie, capté ballon facilement et sans perdre de temps, lui dégager au niveau de défense libre avec Mars, mais récupération pour l'équipe haïtienne, la passe vers Charlie Hall Junior, Kal indique de Sonny Mustiva, ouvert à droite, disposé jeune dans ça, et donc Brian ou encore. Donc Carlins Arcus, la passe en profondeur. Oui, donc on a encore deuxième goal. Attention, deuxième goal. Et goal! Charles Roll Junior mettez ce collant à 2-0 pour l'équipe nationale. Après Sonny Mustiva, c'est le tour de Charles Roll Junior. Une défense dégarnie. Oui, et puis là, Charles Roll Junior. Donc, n'a pas des passes là. Yon passe de Zachary Rivo qui servit Charles Roll Junior. Et n'a rentré surface de réparation. Charles Roll Junior met des ballons au fond des filets. 2-0 pour Haïti. 2-0 pour Haïti contre Sainte-Lucie. Les amis sportifs, Radio Télévision Nationale d'Haïti. Oui, nous partis pour une victoire. Deuxième goal pour l'équipe haïtienne. N'a pas noté dans le même stade star, dans le même stade ça, eh bien, il y a Martinique qui bat le Vierge 4-0. Attention, la passe en profondeur. Quelle diversion. La deuxième balle favorable pour l'équipe de Sainte-Lucie. Il est capable de jouer à gauche. Ballon perdu. Récupération pour l'équipe haïtienne. La passe en profondeur. En direction de qui? Et c'est bien Derrick Junior Etienne. Derrick, attention, qui a marqué en troisième goal. Oui, mais goalkeeper a. Lui saute à bout portant. Et finalement, lui relancé au niveau
donc à deux milieu de terrain, équipe aussi là, il jouait sous Malik Saint-Pré, Malik balle au pied, mais finalement arbitre là dit que il y a une faute sur action aussi là, il y a une faute et on a regardé là, joueur qui pas content, Charles Hall Junior qui est allé se plaindre auprès de l'arbitre central, il n'a pas accepté faute ça, il dit qu'il n'a pas fait faute. Et Abit là, il dit que il y a faute sur action si là. 2-0 pour Haïti. La 35e minute de jeu. Oui, la passe en profondeur. Mais il y a un ballon qui sortit en 6m50. Ça n'a pas porté rien du tout. Ça n'a pas porté rien. Oui. Ça n'a pas porté rien. Ça n'a pas porté rien du tout. C'est pas lui, on relance rapidement. Équipe haïtienne, non, Denis Placide mettez ballon en jouette. On passe qui fait sous Franzi Pierrot. La passe en retrait. Vers qui? C'est bien Zachary. Mais qui s'habite l'a dit. Est-ce qu'il va être coup franc pour Haïti? Oui, faute pour Haïti. Ballon qui a du mal, voilà, pour le circuler. Et sous pelouse, stade municipal. Donc, Pierre Aliquelin, c'est. Donc Fort-de-France qui est situé en Martinique, il y a un stade qui gagne une capacité de 8000 places. La passe en profondeur, mais ballon dégagé en corner. Corner pour l'équipe de cette Lucie. Oui, c'est pas Lyon corner qui s'habite là-bas. Est-ce que c'est faute que le bail? Voilà, coup franc pour cette Lucie. 37e minute de jeu. Soit Pedro Genou. Haïti a mené 2-0 sous cette Lucie. Une occasion. Deuxième journée, Ligue des Nations de la CONCACAF-LAN. Match ça, t'es supposé jouer depuis vendredi 12 octobre passé. Donc du côté de Sainte-Lucie, mais match là, t'as pas reporté pour Jodia, puisque on a tourné sur action, on a tourné, attention, ballon balancé, ça va porter rien. Mais finalement, qui est-ce qui a raison? C'est l'équipe haïtienne. La passe en retrait vers Fandi qui était descendre. Mais l'équipe de Sainte-Lucie pour récupérer le football là, qui est vraiment intelligent, qui quitte le ballon, hein. Sauti n'a pas directement de Zane Pierre. Ils ont rentré touche qui fait rapidement. Jen Tabdil déjà. Ils ont match qui était supposé jouer depuis et donc vendredi 12 octobre. Puisque ils ont quitté le reporté pour aujourd'hui. Hein, parce que les sports, Sainte-Lucie c'est cricket. Et bien, sélection nationale cricket, tu vois, t'as recevoir un match dans le SA. Et bien, je t'ai pas demandé pour que vous mettez match là. Je dis à Pouyo. Et vous pas joué le Sainte-Lucie. Vous venez jouer en Martinique. Oui, c'est là que vous venez jouer match de football. Si là. Et bien, donc, Abitlan qui dit pas gagner attaque, mais tacle à ras de terre. Mais finalement, Abitlan dit. C'est 5m50 que le ballon sorti. C'est pour Lyon. Relance. Non. Relance. Au sein des 6 mètres. Mise en jeu pour l'équipe haïtienne. Johnny Placide qui parle. Mettez le ballon en jeu rapidement. 38e minute de jeu. Dans quelques secondes, c'est pour le 39e minute. Si vous à peine rejoignez nous, ou sous télévision nationale d'Haïti dans le SAR. Ou à suivre continue là entre Haïti et cette ici. Un match qui a déroulé Martinique. Donc rapidement, les téléspectateurs, ballon contrôlé pour l'équipe de Sainte-Lucie. Ils ont pas laissé jouer en direction de et donc Ridel Stanislas, mais ça va pour rien. Et il était une faute sur le joueur. Et là, bon joueur haïtien qui était au sol. Qui ça habite là dit Monsieur Richards. Qui ça le dit? Oui, habite là. Qui a baillé un avertissement verbal. À qui? Un joueur équipe de Sainte-Lucie. On a parlé directement de Frédéric. Il y a un avertissement. Donc pour jouer aussi là. Coup franc pour l'équipe de Sainte-Lucie. Qui est mené au score 0-2 face à l'équipe nationale. Oui, nous partons pour une deuxième victoire. Oui, attaque pour l'équipe de Sainte-Lucie et dribble de conservation réalisé rapidement par Malik Saint-Prime qui s'est le fait. L'aller en retrait, changement de côté, la passe latérale en direction de Shaw Evans. Evans Shaw, le centre dans la boîte de Evans, mais ballon capté facilement par Johnny qui lâche le ballon. Hein, mais en deux temps, Johnny capté ballon pour l'équipe haïtienne et qui va le relancer rapidement. Les amis téléspectateurs,
qui a fait quelques secondes écouler. N'a pas suivi ça, mais sans que l'équipe Alvini à partir de gauche vers la droite. Et puis là, le goalkeeper haïtien est devenu passif pour capter ballon. Il pourrait lâcher ballon. Mais malheureusement, pour jouer au football, l'équipe Saint-Lucien, heureusement pour nous, il n'y a pas d'absolu action qui ne veut pas prendre ballon. Franzi Pierrot pour la deuxième balle. Franzi, pour la base de Franzi. Vers qui c'est bien. Et donc Zachary, ballon contré. Donc il y a demandé, mais Abid l'a dit pas gagné. La deuxième balle, favorable pour l'équipe de Saint-Lucie. Mais intervention de qui c'est bien. Et puis Stivar, la passe en retrait vers James Geoffroy. James Geoffroy, bien dans la zone ça. Et donc Alex Junior Christian qui a demandé le ballon, le préféré jouer en profondeur. En ex de Franzi Pierrot, la passe vers qui? Est-ce que c'est Junior? Junior Derrick. Et attention, on attend le centre. Est-ce que j'ai de mes noms? Abid a dit jouer boule. Attention, ballon pas le contrôle rapidement pour l'équipe haïtienne. Avec qui? Mais c'est bien Derrick Junior. Donc Derrick Junior Etienne qui, malgré l'y trébucher, mais il n'a pas le contrôle ballon. Mais finalement, ballon n'a pas le sauté en touche. Non, avantage équipe Saint-Lucia qui a subi maintenant face à la sélection nationale là, puisque on a mené 2-0 sur eux. Dans un premier temps, Sonny Mustivar, Telouris Collin et puis Charles Erol Junior t'apprend le marqué. Ils ont deuxième goal pour mettre match là à 2-0. Un avantage formation. Donc national là, la passe en profondeur, ballon perdu. Donc l'équipe de Saint-Lucie va repartir à l'offensive. Attention, on est sur le couloir gauche. Avec qui? C'est bien Shaw Evans. Evans. Que va-t-il faire? Shaw Evans, la passe dans la boîte. Déviation de la tête deuxième Geoffroy. La deuxième balle favorable. Toujours pour Saint-Lucie. La passe en retrait. En direction de Ekassius. La passe qu'elle a privée. Oui, mais bon retour. Tacle au ras du sol. Réalisé par James Geoffroy. Pour mettre le ballon en touche. Rentrée touche pour l'équipe de Saint-Lucie. Je fais rapidement. On attend le centre. Le centre qui tarde à venir. Colossal finalement. Attention. Oh là là. Yo prend nous. Et go. Saint-Lucie qui réduit Ekalan à la 42e minute de jeu. Regardez ça. Il y a un centre-tir qui t'a pas le trompé. Johnny Placide, amis téléspectateurs. Oh là là. Ouais, Johnny est allé du bon côté, mais dommage. Il n'est pas capable de faire un yé sur action 1. Réduction de l'écart pour l'équipe de Saint-Lucie, 2-1. Maintenant, qui relancé entre Haïti et Williams. Williams était maintenant semi sportif à 2-1 pour l'équipe Saint-Lucia. Voilà, 2-1, c'est ce score maintenant pour le moment. L'équipe haïtienne contrôle la balle. Qui s'habille a dit oui, il y a faute pour nous. Faute pour l'équipe haïtienne. Qui s'habille l'a dit. Ballon balancé rapidement. Ballon contourné en défense par James Geoffroy qui joue en profondeur. Dans zone ça, et côté la joine, mesdames, messieurs, Derrick Junior Etienne, mais ils mettent la terre, Abid l'a dit pas gagné, Abid l'a dit je voulais pas gagner. Donc, mesdames, messieurs, la pensée profondeur, oui, l'équipe de cette lucie à l'attaque, le capable de le sourd. Donc, Williams à nouveau, non, ils préféré aller dans zone ça, et côté au joine, Malik, salutations à notre collaboratrice Jasmine Lorsemet. Voilà, elle effectue un travail remarquable. Au niveau de la télévision nationale d'Haïti, la passe en profondeur, quelle déviation au niveau de la défense. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Oui, danger pour l'équipe de Saint-Lucie. On est sur le fin droit. Quelle ligne de. Oui, mais bon retour réalisé par le défenseur de l'équipe de Saint-Lucie. Innocent Myers, mais limité ballon ça, invité les spectateurs. Donc, un et touche. Il va faire rapidement l'équipe haïtienne pour la deuxième balle. Avec qui, dans cette position, c'est bien. Et Karlin Sarkus qui est capable de centrer. L'aller en profondeur. Quelle passe en talonnade. Sonny Mustiva capable de centrer. La passe de Sonny. Qu'a essayé de jouer, mesdames, messieurs. Dans zone ça pour James Geoffroy. Mais malheureusement,
Les pattes guettent, contrôle le ballon, et le ballon qui file, donc en 5m50, goalkeeper équipe Saint-Lucia, donc pour le relancer rapidement pour l'équipe Silla qui réduit Calan par l'intermédiaire de Williams, puisque Haïti a mené 2-0 sous yo et yo réduit Calan. C'est pour Lyon relancer rapidement pour formation et donc Saint-Lucia, donc un relance rapidement gardé par le portier en parlant de Giovanni. Et ça l'a dit, Abit l'a dit que et gagné et donc il faut action de bail 2 minutes de temps additionnel dans première mi-temps. Donc nous saluons tout le monde qui branche nous, quel que soit côtoyer sur la terre. Donc nous disons merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Nous présents pour le côté match là pour dans l'occasion deuxième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Il y avait hors jeu. Sonny Mustiva, non, c'était Fandi Péo qui était hors jeu. Oui, Abidlan qui tape suivre. Deuxième journée, Ligue des Nations de la CONCACAF. Kalen Sarkus pour aller effectuer des touches là. Est-ce qu'il parle sur Brian Alceus? Non, il préférait jouer en retrait. Et pour James Jeffra, mais Abidlan dit que touche là parfaite bien. Et lui demande pour que l'équipe Saint-Lucia bénéficielle. Finalement, il fait faute sur donc Williams, donc qui tape le réduit Calan pour l'équipe Saint-Lucia. Abitla qui dit que donc tant nous baille signal pour que nous balancer ballon et c'est un coup franc d'avantage formation mais Saint-Lucia et qui tandis que l'équipe nationale là 2 Napton pour nous va le porter ballon balancé danger pour la sélection nationale ballon repoussé au niveau de la défense oui mais il y a faute au niveau donc de la défense de l'équipe haïtienne. Abitla estime que il y a faute sur James Jeffra et il baille un coup franc d'avantage équipe haïtienne non, qui prend effet rapidement par l'intermédiaire de Johnny Placide. Dans quelques secondes, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est pour le fin première période match là entre Haïti et Saint-Lucie dans l'occasion deuxième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Oui, une équipe haïtienne qui a joué très bien. L'équipe haïtienne qui a vu très bien ces deuxième journée. A. Première journée, nous avons mal mené ce matin néerlandais dans le stade Spiegator. 13 goals à 0. C'était 10 septembre passé. Voilà, l'arbitre central met un terme à la première partie de cette rencontre. Soldé sur le score de 2-1. Score favorable pour l'équipe nationale. La pause. On vous revient dans moins d'un quart d'heure pour la deuxième mi-temps. Cup de 2019. Donc Haïti qui a mené 2-1 sous équipe Saint-Lucia grâce à respectivement et Sonny Mustivar et Charles Erol Junior. Donc deuxième mi-temps, il a peine démarré ici Haïti qui bat il y a coup d'envoi. Arbitre l'a dit que il y a une faute pour équipe Saint-Lucia et n'a pas noté rapidement. Louis Collin de très tôt à la 13e minute de jeu par l'intermédiaire de Charles Erol Junior, disons par l'intermédiaire de Sonny, et à la 34e minute Charles Erol Junior qui tapera le Métis Collin à 2-0 et puis Pernal Williams 42e minute tapera le réduit Carlin pour Saint-Lucie. N'a pas suivi là à côté intervention fautive de Karlins Arcus. Donc Abidla Tebay, disons c'est Karlins Arcus qui bénéficiait et donc faute ça au dépens de joueur Saint-Lucia puisque Abidla l'étape suivre de près ballon balancé ballon aérien danger pour Saint-Lucie. Attention Charles Roll Junior Will Gate arrivé non c'était Zachary Erivo mais Abidla dit que ballon était déjà franchi ligne de touche là c'est Ligue des Nations de la CONCACAF que nous portons pour vous. N'a pas noté que dans la première journée donc Haïti débat c'est Martin Néerlandais 13 goals à 0 c'était 10 septembre dernier au stade Silvio Cator et puis Matsa c'est deuxième journée entre Haïti et Saint-Lucie. Attaque pour l'équipe haïtienne on est sur le couloir gauche avec qui et c'est bien Franzi Pierrot la frappe de Franzi Pierrot capté facilement par Vino Barcelet le portier le jeune portier de l'équipe de Saint-Lucie qui relance du pied droit en direction de et donc Otev Lawrence l'équipe de Saint-Lucie contrôle la balle
La passe en profondeur, mais bon retour réalisé par James Jeffra. Donc nous on a regardé là, il y a un marquage échelonné réalisé par Lester Joseph pour l'équipe de Sainte-Lucie. Mais James Jeffra intelligemment quitté ballon, sauté en 6m50 et il était préféré assurer de bonnes couvertures là. C'est pour Lyon, relance rapidement pour l'équipe de l'équipe nationale de football. Johnny Placide pour le relancer rapidement, relance du pied droit de Johnny Placide, la balle aérienne, qu'est-ce qu'a privé, la deuxième balle favorable, Paki, c'est Mustiva, ouverture sur le flanc droit, attaque pour l'équipe haïtienne, oh oui, dans ça, et c'était bien avec Alain Sarkus, mais la passe est mauvaise, la deuxième balle contrôlée par l'équipe de Sainte-Lucie, il y a essayé de jouer en avant, en direction de Malik Sempri, mais malheureusement, donc Epouli, t'es gagné un défenseur, équipe haïtienne, non, qui mettait ballon ça en touche, rentrée touche rapidement, exécutée par Kurt Frédéric, la deuxième balle pour l'équipe de Sainte-Lucie, en territoire de l'équipe nationale, il y a PC combiné, il y a à la recherche égalisation, hein. Est-ce que l'a vini, donc il était pour le temps, la passe hasardeuse, mais bon placement au niveau de la défense, par qui c'est Mélanus et Mouliakei, le dos à toi, la passe en profondeur, attaque pour Sainte-Lucie, sur le ballon c'est qui, c'est bien, le dos à 11, Malik Saint-Pré disons, mais le centre dans les bras du portier haïtien, Johnny Placide qui capte le ballon et qui pourra le relancer rapidement. Johnny Placide qui fait écouler quelques secondes, 48e minute de jeu. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez la télévision nationale d'Haïti à l'occasion de la deuxième opposant nationale de football. N'a noté pour eux dans le premier match là, dans la première journée, donc 10 septembre 2018 au stade Silvio 14, match qui a été suivi sous télévision nationale d'Haïti. Haïti te bat Saint-Martin néerlandais 13-0. Et puis jeudi mardi 16 octobre là, donc Haïti a mené 2-1 sous et formation Sainte-Lucia. Yon match qui a déroulé à Martinique dans le stade municipal et Pierre Alikerlan. Yon match qui était supposé fait depuis et vendredi 12 octobre passé à la frappe, ballon passé à côté, la frappe de Franzi Pierrot, ça va porter rien. Est-ce qu'il y a des déviations, est-ce que c'est corner qui au bail? Oui, c'est un corner pour la sélection nationale. Jean Tabzouli déjà, et bien équipe c'est là, t'es supposé fait depuis vendredi, donc qui était 12 octobre 2018, puisque Matsa t'a pas le reporté, et puisque gagne sélection cricket, c'est Lucie qui t'a joué dans Datsa. Donc cricket c'est sport et disons sport royal, et puis yo t'a pas donc mettez match là pour jeudi, yon l'autre côté, yon l'autre date, c'est Kounia match à jouer, donc à cause de sélection cricket là t'a joué, donc du côté de Sainte Lucie, yo t'a pas demandé pour que yo mettez match non l'autre date pour yon l'autre côté, et yo te choisi Martinique. C'est là que match là a déroulé dans le moment. Yon match qui était supposé fait depuis 12 qu'a fait jodia, côté n'a mené 2-1 grâce à Sonny Mustiva et Charles Erol Junior. N'a noté que c'est Williams qui t'a pral réduit Calan Pernal, Williams le 204 qui t'a pral réduit contrôlé rapidement par Kurt Frédéric, la passe sur le fin droit de Kurt Frédéric, ballon perdu, rentrée touche pour le fait rapidement, et par Alex Junior Christian, n'a salué tout le monde marchand des salines qui a suivi dans le ça. Salutations également à notre ami Gérald et Serge, monsieur et madame Serge qui a suivi nous tous sous télévision nationale d'Haïti. C'est tout petit coin qui branche télévision nationale, nous salue également tout le monde qui a suivi nous dans la diaspora et qui branche radio et télévision nationale d'Haïti dans le Sahara. Ballon contrôlé au cœur de la défense de l'équipe de Saint-Martin et Sainte-Lucie par Mélanus Mouliakei. La longue ballon profondeur, ballon qui contrôlé de la poitrine par qui Alvinus Meyers, la passe de Alvinus Meyers qui voulait alerter mesdames, messieurs, Zain Pierre, mais la disparition faute, attaque pour l'équipe haïtienne, danger pour yo avec qui, et c'est bien mesdames, messieurs, Derrick Junior Etienne, le centre de Junior, mais ballon qui contre, li aller en corner, yon corner pour équipe haïtienne, yon corner qui va le faire de gauche vers la droite.
première journée, nous avons battu ce matin, Néerlandais 13 goals à 0. Jeudi, nous avons mené 2-1 sous Sainte-Lucie dans la deuxième journée. Troisième match Haïti, dans la phase qualificative Ligue des Nations de la CONCACAF, nous avons bien pour nous jouer contre Nicaragua. C'est pour aller au stade Silvio Cato, dans le mois de novembre, Cap Vinila. Haïti a recevoir Nicaragua. Donc, pour le troisième match, dans la compétition, si la ballon balancé, corner exécuté rapidement et ballon capté facilement par le jeune portier Vino Barcelet, le dossard 16 de l'équipe de Sainte-Lucie. Et puis, quatrième match, nous, c'est pour aller contre Cuba. Haïti, après, disons, Haïti en déplacement. Donc, Cuba, pour que les joueurs contre la sélection cubaine, non, c'est pour le mois de mars. On a noté formation Sainte-Lucia qui a subi la loi. Équipe haïtienne, non, t'es guéri pourtant dans la première journée. L'aile te bat Antigua et Barbuda. 3 goals à 0. C'était la caille Antigua. Que cette Lucita fait victoire si là, dans la première journée si là, Haïti qui a mené 2-0, eh bien, lui quand même a joué, et lui a joué, donc sans des joueurs comme, disons, lui a joué sans Will Donald Guerrier, qui blessé également Dukens Nazon, qui blessé coup franc pour l'équipe de cette Lucie. Sur le ballon, il y a Zain Pierre, le capitaine. Zain Pierre, le capitaine de cette Lucie, lui pral, est-ce qu'il pral exactement dans Golan ou encore la fait en combinaison? Attention, la frappe lointaine! Oh là là, ça passait au-dessus de la barre transversale. Équipe là, en parlant de sélection nationale là, t'es déjà trouvé à Fort-de-France, à Martinique, depuis quelques jours pour te préparer Matila. Il a été disputé deux test match. Haïti te bat Club Colonial 5-0. Et le Tapral bat 1-0 Golden Star en raison de 45 minutes par match. Dans l'ensemble, 90 minutes, il était joué avec deux équipes différentes. Donc, comme match de préparation pour rencontre Silla entre Sainte-Lucie. Donc, c'est Pral. Yon ballon pral joué en retrait par Méchac Jérôme. L'aller en retrait vers qui? Johnny Placide qui peut jouer sur James Jeffra. Non, il préfère jouer en profondeur. La long ball, ballon contrôlé de la poitrine par qui? Laissez bien, mesdames, messieurs, Brian Alcéus. La passe à gauche vers Derrick Junior Etienne. Le centre, ballon contré, ballon repoussé par la défense. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Il y a BC Jeune Zachary et Rivo, Zachary Palosso Junior. Non, l'aller en profondeur en direction, mesdames, messieurs, de et donc Brian Alcéus. Mais il y a faute au dépens du défenseur de cette Lucie, estime l'arbitre central de cette rencontre. Arbitre là qui dit que des fautes sous action si là, monsieur Richard Trévestre, c'est lui-même qui a dirigé rencontre football si là. C'est la 54e minute de jeu. 1 pour Sainte-Lucie, 2 pour Haïti. On a noté que la compétition a rentré dans le cadre phase qualificative Ligue des Nations de la CONCACAF et Gold Cup 2019. Eh bien, Nabdou déjà qualifié pour la Gold Cup. Et 8 équipes qui déjà qualifiées. 8 équipes Sayo, tenant dernière phase éliminatoire mondiale Russie 2018 là. L'en prend des équipes comme États-Unis, Mexique, Costa Rica, Panama, Salvador, Honduras. Ils étaient dans la dernière phase éliminatoire. Coupe du monde qui se fait. Russie, c'est pas dans la Coupe du monde là, non, dit Yoté. C'est pas dans la Coupe du monde là, Yoté. Mais ils étaient dans la dernière phase là. Dernière phase éliminatoire qui t'a pas accès à la Coupe du monde là. Des équipes comme États-Unis, Mexique était présent lui-même. Des équipes comme Panama était présent tout. Mais Salvador, Honduras, ces équipes ça a quitté dans la dernière phase là, eh bien, ils ont tout qualifié directement pour Gold Cup là. Ils ont attaqué pour la sélection nationale de football. Oui, ils sont capables de retourner en retrait. C'est ça qu'ils ont fait. Brian Alcéus, balle au pied. La longue balle de Brian vers Franzi Pierrot. Oui, Pierrot qui essaie de mystifier son adversaire. Que va-t-il faire? La frappe lointaine de Pierrot. Ballon contré. La deuxième balle favorable. Toujours pour l'équipe haïtienne. Oui, on attend ce que ça va donner. Mais bon marquage réalisé par le défenseur de cette Lucie. N'a pas allé directement. Et donc, et Kurt Frédéric, le dossard 2, qui a été fait un très bon marquage pour lui. Et donc, a été pris contre le ballon. La relance 2. Et donc, mesdames, messieurs, le portier Johnny Placide. La deuxième balle favorable. Est-ce qu'il y a faute? Oui. Abit l'a dit que t'es une faute sous action si là. Abit l'a dit t'es une faute sous action si là.
et Libaye coup franc davantage équipe Saint-Lucien qui fait rapidement ballon contrôlé par Otev Lawrence et dribble de Otev Lawrence qui s'appuie vers Vino Barcelet balle au pied qui ouvre la balle vers Kurt Frédéric balle au pied, Kurt très calme, que va-t-il faire? Kurt, la longue balle de Kurt en profondeur à la recherche de Lester Joseph, le dossard 17. Oui, attaque pour l'équipe de Saint-Lucie, danger pour la sélection nationale. Ballon repoussé au niveau de la défense, ballon dégagé, mesdames, messieurs, par Brian Alceus. La deuxième balle, toujours pour l'équipe de Saint-Lucie. Il y a les dans boîte là, goalkeeper, équipe haïtienne. Non. Et donc, mettez tout le monde d'accord. On n'a pas directement de Johnny Placide. Johnny Placide qui a demandé à jouer pour que yo descende puisque à 2-1, pas gagné qui certain. Donc à 2-1, tout le monde est capable de passer. La longue lance de Johnny Placide. Quelle déviation en direction de Pierrot. Mais la sortie du portier, le jeune portier Vino Barcelet et qui capte le ballon rapidement, qui relance en direction de Otev Lawrence. La longue balle de Otev Lawrence en direction de mesdames, messieurs, Alvinus Meyers. Le centre, danger pour nous. Oh là là, mais il y a un coup de tête qui est passé. Donc à côté, donc de peu, formation Saint-Lucia t'es capable, mesdames, messieurs, donc égaliser. Donc dans match football si là, mais ça pas pour t'es rien. N'a poursuivi ça, il y a un centre de droite vers la gauche, il y a un joueur football avec un bon timing, disons le bon détente, mais timing n'est pas tellement bon. Et ballon qui allait au-dessus de la barre transversale, remise en jeu pour l'équipe haïtienne. Ballon exécuté rapidement par Johnny Placide, mais il y a faute au dépens du joueur haïtien. C'était mesdames, messieurs, Franzi Pierrot qui est après subi faute ça. Et habit central là, monsieur Richards tape suivre de près, Libaye Koufran, et c'est bien dans zone ça. Et Brian Alceus qui pral fait Koufran, et habit là qui dit monsieur, moi pour qu'on baille signal pour que nous balancer ballon 2 pour Haïti, 0 pour Saint-Lucie. Dans l'occasion de deuxième journée, Ligue des Nations de la CONCACAF, n'a noté très rapidement équipe haïtienne Nantes Louis Collin par Sonny Mustiva à la 13e minute de jeu. Attention, danger pour Saint-Lucie. La passe sur le flanc droit en direction de Carlos Arkins. Oui, et donc Carlos Arkins, le centre. Oui, c'est pas encore fini, mais récupération. L'équipe de Saint-Lucie repart à l'offensive, mais finalement il y a faute. Il y a faute au dépens d'eux. Et donc Alvinus Meyers sous les yeux de l'arbitre central. N'a noté, n'a pas suivi là, mais simplement. Mais ça n'est plus là. Mais là, et ballon qui patte à côté et trois grandes choses pour information haïtienne. Mais nous sommes capables. Bonsoir sur ça tout. Ballon contrôlé pour l'équipe nationale. Est-ce qu'il y a une faute? Oui, il y a faute au dépend de Brian Alceus. Habite la baie Koufran. Et puisque joueur football, l'équipe de Saint-Lucia, Timothy Brian à terre. Donc la 59e minute de jeu. Dans quelques secondes, c'est pas l'heure de jeu. Puisque nous avons avancé vers la 60e minute. Voilà, effectivement, 60e minute de jeu. Si on va à peine rejoindre nous, Haïti a mené 2-1 sous l'équipe Saint-Lucia. La passe en avant, danger, oui, et tacle au ras du sol pour récupérer le ballon. Défenseur arraché ballon, non pied, joueur, équipe et nationale. Là. Et là, ils ont dit différent. Ils ont dit différent. En prise de bec, discussion entre joueurs. Habitant Richard Trévestre qui finalement a parlé, il demandé pour que Joyau recule. Est-ce qu'il prend une décision? Napton Pounoué, Habitant qui assisté de Yonan, juge de Ligno. C'est 2-1, match là qui font petit campé dans le moment où on a parlé. Mais Haïti a mené 2-1. Haïti était Louis Collin par Sonny Mustiva à la 13e minute de jeu. Charles Erol Junior à la 34e minute. Tapal Métis Collin à 2-0. Et puis, en fin de première mi-temps, voilà, carton jaune pour Franzi Pierrot. Eh bien, Haïti qui prend un premier carton jaune match football là. C'est Franzi Pierrot qui prend. Haïti t'a mené 2-0. Et puis, en fin de première mi-temps, gagné Williams Pernal qui t'a pral réduit Calin à la 42e minute de jeu pour Saint-Lucie.
2-1 pour l'équipe haïtienne dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. Nabdo, avant match Haïti, dans le même stade, il a gagné Martinique qui malmené il vierge britannique 4-0. Et 2 goals et non goal Martinique qui fait un arrêt de jeu. Oui. Ballon contrôlé pour l'équipe haïtienne. Mauvais contrôle réalisé, mesdames, messieurs, par Franzi Pierrot. Un ballon qui sortit en touche. Rentre touche faite rapidement. Et par Zain Pierre. Zain Pierre, que va-t-il faire? Conservation de goal de Williams. Williams dribble de conservation de Andris Rémy. Mais il y a faute aux dépens du joueur de Sainte-Lucie. Estime monsieur Richard, le directeur de jeu, qui baille un coup franc pour formation. Et donc Sainte-Lucie a, puisque estimé que faute soit. Donc c'est Pral et Zachary. Zachary pour Chalerol. Chalerol, Chalerol, Chalerol toujours. La passe de Franzi Pierrot. Franzi Pierrot, Franzi Pierrot. La frappe de Franzi Pierrot. Ballon contre Emile Pape sorti. Défense de Pral dégagé. Dégagement réalisé par Frédéric qui joue en profondeur. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Avec qui dans cette position Sergier, mesdames, messieurs, Ibrahim, non. Jenny Mustiva, la passe en retrait vers Denis Placide, la longue balle de Denis Placide vers Franzi Pierrot. Franzi Pierrot calé et sous qui c'est Zachary Rivaud. Zachary calé s'est combiné avec Karim Sarkus. Ça va vous gagner. Défenseur Sainte-Lucie obligé de mettre ballon ça en touche. Rentre touche pour l'équipe de disons, l'équipe nationale avec qui Brian Alcéus qui fait touche là. Attention, oui, la passe en retrait de Zachary, la passe en profondeur. Donc le troisième goal peut-être. Michel Junior centre est tiré. Le centre tire. Ballon capté facilement par le portier de l'équipe de Sainte-Lucie. Mauvaise relance. Attention, troisième goal peut-être. Oh là là, goalkeeper à Vino Barcelet, capté ballon sans problème. La passe en profondeur. L'équipe de Sainte-Lucie va repartir à l'offensive. Mais ballon perdu. Haïti à l'attaque. Donc le territoire de l'équipe de Sainte-Lucie. Avec qui Alex Junior Christian. La passe. On attend le centre. Le centre de l'avenir. Et qui sait, attention. Est-ce qu'il faut? Non, il n'y a rien. L'arbitre central fait signe de continuer. La passe en détruire. Et Bernard Williams, le buteur pour l'équipe de Sainte-Lucie. La passe en avant. En direction de Alvinus Meyers. Alvinus Meyers. Il y a faute pour les points du joueur de l'équipe de Sainte-Lucie. Donc sous les yeux de Richard Trévestre, l'arbitre central de cette rencontre. Mouffrant sur le ballon, c'est bien. Le capitaine Zaini Pierre. Zaini Pierre, la passe de Zaini Pierre. Et qui joue en direction de Andrus Rémy. Andrus Rémy qui ouvre la balle vers Octave Lawrence. Octave Lawrence qui repasse le ballon vers Mélanis Mouliake. Mouliake, quelle combinaison, même mauvaise passe. Ballon perdu, récupéré par l'équipe haïtienne sur le flanc gauche. Alex Junior Christian qui essaie de changer de côté en direction de Kalims Arcus. Mais ballon perdu, récupération pour qui? C'est Fondi Pierrot qui retournait pour le fin intervention. La passe vers Méchac Jérôme. Méchac pour Brian Alcéus. Brian Alcéus et Sonny Mustiva. Mustiva pour Chaléon Junior. Non, c'est Zachary. Zachary. Et disons dans zone ça. Et c'est lui, Derrick Junior Etienne de sa 11. Quelle déviation sur le flanc gauche. Oui, quelle circulation de balle pour l'équipe haïtienne. La passe en attend le centre de Alex Junior Christian. Alex Junior Christian, l'icentré. La tête défensive réalisée par Kurt Frédéric pour l'équipe de Sainte-Lucie. La deuxième balle pour qui? Zachary Erivo. Passe le ballon en retrait pour James Geoffroy. James Geoffroy, James Geoffroy, libre de tout marquage. James Geoffroy, toujours en direction de Ebrahim Alcéus. La passe, attention. Franzi Pierrot, t'es en jeu. L'été en jeu, sous action-ci là. Franzi Pierrot, t'es en jeu. D'après Abissé Talan, l'Ibaillon coup franc pour équipe. Pour équipe Sainte-Lucie. Oui, c'est pour Lyon coup franc. Coup franc pour la formation de Sainte-Lucie. Haïti 2, Sainte-Lucie 1. C'est deuxième journée Ligue des Nations de la CONCACAF. Première journée à où tu suivre rencontre Haïti Saint-Martin et Irlandais que nous t'es porté pour depuis Stade 14 sur télévision nationale d'Haïti.
un match que Haïti te bat 13-0 dans la première journée. Et puis, pour la deuxième journée, si là, on a mené 2-1 sous l'équipe Martinique. Troisième journée, c'est pral. En novembre, Haïti a recevoir dans le stade Silvio Cator, équipe Nicaragua. Alors que dans le mois de mars, ça n'a pas pour que nous allions à Cuba. Nous avons joué à Cuba, toujours dans le cadre de compétition, c'est la Ligue des Nations de la CONCACAF. C'est aussi qui lui-même te bat dans la première journée. Li te bat Antigua et Barbuda 3-0. La caille Antigua et Barbuda, attendez ça bien. Mais on a cassé maintenant, on a parlé à 68e minute de jeu. 2 pour Haïti, 1 pour cette Russie. Will Donald Guerrier avec Duke Ntinazon qui part présent le match pour blessure. On a regardé là, les nerfs sont en fer de peau. Joueur cette Russie qui est mécontent suite à la décision arbitre. Yo a réclamé un bagay là. Oui. On a noté Haïti qui était trouvé à Fort-de-France à Martinique depuis quelques jours. Quand elle t'a préparé match là. Il a été disputé 2 test match. Haïti était battu Club Colonial 5-0 et Golden Star 1-0 en raison de 45 minutes par match. Donc, l'équipe Sayo, 45-45 par mi-temps. Haïti est cassé maintenant, mais tous les deux. Haïti qui a cherché, qui a lutté pour chercher en place pour Gold Cup 2019. Là. Haïti qui a rejoint des équipes comme États-Unis, Mexique, Costa Rica, Panama, Salvador, Honduras. Équipe Sayo qui était donc dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde. Russie 2018 là, carton jaune pour Rémi. Non, équipe Saint Lucia. Ballon contrôlé par qui? Freddy Pierrot. Oui, Brian Alcéus qui t'a laissé jouer en direction de Derrick Junior Etienne. Mais dommage, ballon pas trivé. Le centre, danger pour Haïti. Ballon capté facilement par le portier Johnny Placide. Placide qui relance du pied droit. La relance de Placide, oui, elle est bonne. Ballon pas sauté. Zachary Rivaud, Zachary pour qui? Alex Junior Christian. Le ballon contrôlé dans l'axe du terrain par Brian Alcéus. Oui, Kounia, Charlie Roll. La passe sur le flanc droit avec qui? Karlin Sarkus. Mais finalement, non, c'était Fendi Pierrot. Ballon pas arrivé. Attention, attaque, la passe en profondeur. Qu'est-ce qu'a privé l'équipe de Sainte-Lucie à l'attaque dans cette position? Et c'était Andrus Rémy. L'attention, oui, il y a une faute sur Abid Labaïla. Abid Labaïla était en jeu. Une décision que Derrick Junior Etienne pas comprendre. Une décision que Derrick Junior Etienne pas comprendre du tout. Derrick Junior Etienne qui est vraiment hostile par rapport à cette décision-ci là. Il estime qu'Abid est capable de faire mieux. C'est pour Lyon. Relance rapidement pour Johnny Placide. La tête défensive réalisée par Pernal Williams. La deuxième balle pour qui? Il y a faute. 70e minute de jeu. 2 pour Haïti. 1 pour Sainte-Lucie. Il y a un match qui a joué. Changement pour Haïti. Oui. Changement. Donc, changement dans le camp équipe haïtienne. Charles Roll Junior qui a sauté. Charles Roll Junior qui a marqué deuxième goal pour nous. Charles Roll Junior qui va le remplacer par un autre joueur. Charles Roll Junior qui quitte place ligne dont on a parlé à là. Oui, c'est Chamar Sano. Chamar Sano. Le dossard 18 qui est rentré à la place de Charles Roll Junior qui tapera le marqué deuxième goal. Attaque pour cette Lucie. Ballon qui dévié en touche. Rentre touche fait rapidement. Yon en territoire nous. Yon en camp nous. Nous n'avons pas l'air. Yon capable de faire nous mal là. Mais yon. Et donc Kafouya finalement.
défense équipe haïtienne en guérison. Il a joué sous Derrick Junior Etienne. Capgade là. Non, c'est Freddy Pierrot. Il est très bon. Freddy Pierrot poursuivi de près par deux joueurs de cette Lucie. Mais finalement, il joue un corner là. Corner pour l'équipe haïtienne. 72e minute de jeu. 2-1 pour Haïti. 1 pour l'équipe 2. Donc c'est Lucie. C'est Pralion Corner qui prend le fait rapidement par Sony Mustiva. De droite vers la gauche. Sony Mustiva qui prend le chercher. Donc il y a un troisième goal façon si là. Nathan pour loin. Attention, ballon balancé. Liban exécuté. Oui, Kafia, troisième goal peut-être. Oh là là! Oui, nous sommes capables de marquer au troisième goal à 2 à 1. Pas guerrier qui certain, mais coup franc, mais corner là, disons. Là, dommage. Sony Mustiva. Et puis, là, Freddy Pierrot passe tout près au troisième goal. C'est Freddy Pierrot qui était marqué en 603 sur action. 2 pour Haïti, 1 pour Sainte-Lucie. Rentrée de touche pour le fait rapidement par Carlin Sarkus. Carlin Sarkus qui a cherché un monde qui libre. Carlin Sarkus qui a demandé monsieur pour que yo avance et puis devant. Carlin Sarkus fait en avant. Quelle déviation en direction de qui? Et c'est bien Derrick Junior Etienne. Carlin en profondeur sous Zachary. Le centre capté facilement par le jeune portier Vino Barcelin, le 216. De l'équipe de cette Lucie qui s'habite la baille là. Donc habite là qui a été match là, il baille corner. Ballon est sorti selon lui-même. Corner pour Haïti. Et habite là qui m'a dit monsieur yo pour que yo place le ballon. Yo tente le baille. Signal là, c'est corner sur le ballon. Deux joueurs parmi eux. Sony Mustiva. 74e minute de jeu. Corner balancé. Attention, troisième goal peut-être. Gon cafouillage là. Mais finalement, c'est Lucie Absotti. Et pour qui? C'est Alvinus Meyers. Alvinus Meyers. Yo capre nous notre contre-attaque. Mais finalement, yo joue en profondeur. Mais bon placement. Bon retour. Réalisé par Derrick Brian Alceus. Calé en retrait. Sous Johnny Placide. Johnny Placide. La longue lance de Placide. Déviation de Franzi Pierrot. Qui peut bailler en yen. Ballon aljoint. Et goalkeeper équipe football cette Lucia. N'a pas exactement de Vino Barcelin. Vino Barcelin calé en direction de Zain Pierre. Le 208, quelle déviation de la tête. Mais il y a faute. Signal l'arbitre central. Monsieur Richards est très restreint. Qui arrête la rencontre, mesdames, messieurs, pour octroyer un coup franc et favorable à l'équipe de Sainte-Lucie qui est menée au score 1-2 face à l'équipe haïtienne. Et une équipe haïtienne qui tapera le bat formation Saint-Martin néerlandais. Donc 13 goals à 0 au niveau de, disons, dans la première journée. C'était dans le stade Silvio Cator que nous avons battu 13 goals à 0 et formation. Et donc Sainte-Lucie à Soubopal tapera le bat Antigua et Barbuda 3 à 0 dans la première journée. Si là, et coup franc, attention, ballon balancé, ça n'a pas qu'à inquiéter. Goal qui va ici, un ballon qui passe donc largement au-dessus de la barre transversale. 75e minute de jeu, 15 minutes séparées nous de fin match football. Si là, Haïti qui besoin marquer l'autre goal toujours, puisque compétition si là, plus ou by goal, c'est plus qui bon pour, c'est plus pour gagner, et un meilleur classement. Et bien, la FIFA qui vient avec compétition si là, qui n'en zone pas loin et dans Europe là, puisque Europe pas lui-même, gagne Ligue des Nations de l'UEFA. On parle de Ligue des Nations de l'UEFA, je dis à la France qui bat au bail 2 à 1. Donc, on a fini Sony Mustiva, Sony Mustiva, Mustiva, Sony Mustiva. Donc, c'est pas possible. Et donc, passe Sony qui est pas bon du tout. C'est une passe imprécise. Et Sony qui te voulait jouer sous Chanon, Chamar Sanon. Mais malheureusement, ça va coûter un yen. Je ne t'ai pas dit déjà, la FIFA qui voulait éviter non trêve internationale pour que équipe qu'équipe qui vont ou pas jouer, et bien vous voulez finir avec ça pour que vous mettez sélection nationale plus en jambe. Je viens avec une nouvelle formule ici là dans un panneau plus ou marqué gol, c'est plus libre pour vous. La passe en direction de Derrick Junior Etienne, le centre de la boîte. Oui, dégagement au niveau de la défense de Sainte-Lucie. La deuxième balle favorable pour nous. Zachary et Rivaux
finalement, il perd du contrôle du ballon. Oui, il revient à la charge. Zachary Erivo, calé en direction de Brian Alcéus. Brian Alcéus pour Alex Junior Christian. Alex Junior Christian, le tir lointain de Junior dans les bras du portier Vito Barcelet. Vito Barcelet, sans perdre de temps, il relance rapidement. La passe en retrait, passe hasardeuse. Ballon perdu, attaque pour l'équipe haïtienne. Troisième goal peut-être, Sonny Mustiva. Mustiva, non, c'est Derek Junior Etienne. Finalement, nous jouons une corner là. Ballon sorti en corner. Défenseur là. N'a pas exactement de Pernal Williams. Obligé de mettre le ballon sans corner. C'est bien Derek Junior Etienne qui sous ballon. Attention, ballon balancé. Déversion de la tête. Oui, la frappe. Attention, troisième goal peut-être, mais non. Goalkeeper. Fino Barcelone efface ce goal là. Soit que celui-ci là. Noté qu'à marquer un troisième goal. Mais une très bonne parade réalisé par le jeune portier Vino Barcelet, oui, âgé de 19 ans, goalkeeper qui est face au troisième goal ça. Là, nous avons marqué au troisième goal. Oui, Franzi Pierrot qui était en buscade dans la surface de réparation. Et malheureusement, ballon pas trop dans filet. Il y a faute. Faute au départ du joueur haïtien. La 78e minute de jeu. 1 pour cette MC, 2 pour Haïti. Premier changement dans le camp équipe de cette MC. C'est premier changement. Le sort 4 l'absorti. Repassé par le 218. C'est Pernal Williams qui était marqué le football équipe 7 Lucia. Il est passé par Neptune. Le dossard 18. Oui, Pernal Williams cède sa place pour Neptune. Attention, la passe en profondeur en direction de Sonny Mustiva. Sonny Mustiva qui joue un très bon match pour l'équipe nationale. Là, mais bon placement au niveau de la défense. Passe à Macabon du tout. On est sur le fond droit avec Derek Junior Etienne. Derek a fait parler de technique lui. Derek Sabacabon. Oui, récupération pour l'équipe de Sainte-Lucie. Il est allé en retrait. Attention, quelle combinaison. Il y a faute au départ du joueur de Sainte-Lucie. Estime l'arbitre central, Monsieur Richards Trévestre. Oui, c'est un coup franc. 80e minute de jeu. La poursuite là. Oui, c'était une intervention de Brian Alcéus au dépens de Kurt Frédéric. Abitla qui tape sur attention. Attaque pour l'équipe de Saint-Lucie. Ballon perdu. Oui, Zachary. Attention, la passe en profondeur vers qui? Franzi Pierrot. Gol de Franzi Pierrot. Ça, pas qu'à bon. Ballon sorti. Touche, il y a une touche qui va le faire rapidement par le capitaine Zain Pierre qui ça va le faire. L'aller en retrait, ballon contré. Attention, oui, bien faute. Bien faute finalement. Effectivement, Fontipéo qui fait bousculade de Doha. Et avec là, l'étape sur action 1, il baille au coup de fin. Non, avantage. Formation c'est Lucia. Donc la bouche là, Franzi Pierrot est pas fait. Bousculade là vraiment. Il est bousculé capitaine. Zain et Pierre. Le dossard 8-2. L'équipe de cette Lucie. Nouveau changement. Puisque Emile Melvin et Doxili. Le 214 qui. Et donc quitté passe lui. Nous allons passer par Stanislas. Le 206. Stanislas. Stanislas qui. Rentrer dans le match football si là. Merci pour fidélité au Arc Télévision Nationale d'Haïti. Et dans le sein au présent, pour nous porter pour vous, match football si là. Puisque c'est un devoir pour nous faire vivre tout ça qui a passé. La passe en avant. Ah oui, ballon perdu. Brian Alcéus, attaque pour l'équipe haïtienne. Ouverture sur le fond droit. Contre-attaque, attaque pour l'équipe haïtienne. Attention, et c'est bien Derek Junior Etienne. Derek Junior Etienne, le centre de Derek, Franzi Pierrot. Attention, oh là là, quel sauvetage! Vino Barcelet a mis le ballon en corner. Mais là, mes centres, Derek Junior Etienne, et puis mes coups de tête.
Fandi Pierrot, mais goalkeeper a allé dans bon volant. Vino Barcelin est allé du bon côté pour éviter le pire à l'équipe de Sainte-Lucie. Quand on est balancé, la balle aérienne captée sans problème par le jeune portier de 19 ans de l'équipe de Sainte-Lucie. Quelle relance manuelle réalisée par M. Vino Barcelin. La passe en avant vers qui c'est bien. Stanislas, le nouveau venu. Arbitre l'a dit, pas gain en rien. Arbitre l'a dit, pas gain faute de jeu boule. 82e minute de jeu. 2 pour Haïti, 1 pour Sainte-Lucie. Donc nous comptons rentrer la caillou dans le ça pour nous porter pour vous. Match football si là. Et pour vous, Namikoa, pour servir, c'est vous-même. Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, Capfort Vive, match football si là. Attaque avec qui? C'est bien Zachary Erivo. Zachary. Zachary qui allait en retrait en direction de et Carlins. Carlins qui peut passer le ballon en retrait. Avec qui? Et c'est bien. Et donc James Geoffroy qui allait sous Méchac. Méchac la passe sur le flanc droit. Vers qui? Là, essayer de combiner avec le 211 Junior d'Eric Etienne. Mais malheureusement, ça n'a pas poté en rien. Yon ballon et qui est sorti en touche. Rentrée touche rapidement pour l'équipe de Sainte-Lucie qui a subi maintenant et qui sur route pour que Li ait perdu rencontre aussi là. Donc 43e minute de jeu, attaque pour l'équipe de Sainte-Lucie, mais déviation, il y a faute. Et non, Abitla dit que si on touche ballon, il sorti. N'a pas qu'on est, il y a 3 nouveaux joueurs. Donc qui était convoqué pour match ça. Donc match à Haïti Sainte-Lucie. Maintenant Sainte-Lucie, il y a 3 nouveaux joueurs qui étaient convoqués. Il y a un attaquant qui est le Nicolas Lorenz. Il y a un milieu de terrain. Riedel Stanislas qui a peine rentré là. Et également, jeune portier de 19 ans, Vino Barcelin. C'est 3 nouveaux joueurs que Sainte-Lucie. Et donc un coach Sainte-Lucie a, n'a pas directement de McDonald Francis T est convoqué pour match aussi là. Il y a 4 joueurs qui ont évolué dans le championnat professionnel à l'étranger. On a rappelé Sainte-Lucie qui bat Antigua et Barbuda 3 goals à 0 dans la première journée de Ligue des Nations de la CONCACAF. Et Kounia, l'issue pour le connaître, une défaite face à l'équipe nationale, la sélection haïtienne, la sélection donc masculine. Et donc la sélection nationale masculine qui te bat équipe Sébastien Irlandais 13 goals à 0. Donc c'était 10 septembre dernier dans le stade Silvio 14. C'était dans l'occasion première journée. Donc une campagne qui a continué puisque donc en novembre blanc, on a bien pour nous recevoir dans le stade Silvio 14, formation Nicaragua. Alors que en mars Haïti va venir pour aller Cuba pour aller jouer contre la sélection cubaine football là. La passe donc latérale réalisée rapidement par Neptune. Neptune, non, c'est Kurt Frédéric. Kurt Frédéric, le centre, attention danger, mais non, bon retour au niveau de la défense de la sélection nationale de football. Entre temps, et c'est bien le 222 de l'équipe haïtienne, Alex Junior Christian qui contrôle la balle, mais il est dépossédé du ballon, mais il revient à la charge, il revient à la charge, et l'arbitre central octroie, mesdames, messieurs, un coup franc pour l'équipe de Sainte-Lucie. 85e minute de jeu, 5 minutes nous séparent de la fin de cette rencontre, sans négliger l'état additionnel. L'intervention était de Zachary Erivo. Zachary Erivo qui est après le fait foot là au dépens de joueur Sainte-Lucia et habite là qui était prêt. Et action après le baillon coup franc pour équipe Sainte-Lucia. Et ballon balancé, la balle aérienne. Il y en a une boîte là, il y en a une surface de réparation. Attention, danger pour l'équipe haïtienne. Danger football a trébuché en parlant de Neptune. Mais l'équipe haïtienne a sorti la passe en avant. Nous avons reçu action ça. Nous avons pris le oui, Dave Junior Etienne. Calais Sérieux sur Kandi Piero. Mais ballon dévié par la défense. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Avec qui Dave Junior Etienne tombé. A dit par une faute. Attention finalement. Et donc le danger persiste. Mais bon retour et bonne réalisation au niveau de la défense. L'équipe de Sainte-Lucie repart l'offensive. Donc pour l'instant avec Alvinus Meyers. Alvinus Meyers qui joue sur le flanc gauche. Attention, le centre de la boîte. Danger pour l'équipe haïtienne. Mais ballon dévié de la tête. La deuxième balle pour qui? Il y a faute. Il y a faute. Mais non, principe de l'avantage.
Brian Guénon ça, mesdames, messieurs, Brian Assis qui a été avec la Ziba gagné, attaque pour l'équipe haïtienne, Fandi Pierrot, Fandi Pierrot très bon, Fandi Pierrot, un joueur complet, il est capable de marquer, il est capable de faire marquer grâce à ses dribbles, ses qualités techniques, la passe en retrait vers Zachary Erivo. Zachary Erivo, là les pour qui se chanon, le stand de la boîte, déviation au niveau de la défense de l'équipe de Sainte-Lucie, la deuxième balle pour qui, toujours pour l'équipe de Sainte-Lucie, qui a essayé de repartir à l'assaut, donc début de Johnny Placide, mais il n'y a pas qu'à aller en retrait. Dans zone ça, Malik Saint-Prix joue dans l'axe du terrain en direction de Zahine Pierre, la passe à gauche, la passe à droite, et c'est bien Neptune, que va-t-il faire? Et Neptune, ballon perdu, mais attention, oh là là, mais la sortie à deux portant de Denis Placide, je vais mettre peut-être à hésiter sur l'assaut. Mais finalement, l'intervalle sorti pour le conjuré d'Angéa, c'est toujours 2-1. Si vous appelez rejoignez nous, c'est Télévision Nationale d'Haïti, on filme dans le SA. Donc jeudi, donc c'est mardi 16 octobre 2018. Attention, Denis Placide qui joue avec le feu, mais intervention quand même payante. La passe sur le flanc gauche, oui, avec qui Alex Christian, mais t'es gagné en jeu. Donc est-ce que c'est ça qui arrive? T'es gagné en jeu sur ceci là et avec là. Et donc qui dit que t'es gagné en jeu, nous faut qu'il exécute rapidement et calquer un changement. C'est pas là notre équipe haïtienne que changement ça va le faire, puisque gagné mesdames, messieurs. Et donc, il y a un changement qui a fait Zachary Erivo qui a sorti dans le contre là. Zachary Erivo a joué un mauvais match du tout. Zachary Erivo qui va le remplacer par. Donc, Zachary Erivo qui va le rentrer dans le match de football ici là. Ricardo Adé. Makola qui fait un changement réfléchi pour que Lidi à 2-1 était 1 minute quelques secondes sans compter l'état additionnel. L'Ipagui pour que lui baille une position sur le plan offensif, mais balle assuré que défense là, ok. Yudli fait sortir Zachary Erivo pour rentrer avec Ricardo Adé. Ricardo Adé, attention, la frappe finalement. On est passé à côté, Ricardo Adé qui entrait de place Zachary Erivoa, 89e minute de jeu, dans quelques secondes, sans compter l'état additionnel, c'est pour le fin match football c'est là, Haïti qui est parti pour faire une deuxième victoire. Ballon dégagé rapidement par Johnny Placide. La passe, attaque, nous sommes capables de faire troisième goal. Oui, attention, est-ce qu'il y a une faute? Mais non, bon retour au niveau de la défense de l'équipe de Sainte-Lucie. Nous faisons rapidement. Côté abjoué dans la zone ça. Donc Andrus Rémy, la passe en profondeur. C'est pour aller au ballon pour le contrôler rapidement. Par le portier Placide. Placide Paca. Et donc Placide Pavlé. Et donc pour faire un bagage qui pas bon. Il préfère mettre ballon ça en touche. Il Pavlé elle peut risque. Il mette ballon ça en touche. Il n'a pas arrêté le pour ça. À quelques secondes, voilà. 90 minutes déjà écoulées. Il y a bail 3 minutes additionnelles. Total, risque. Sans l'équipe pour goal. Donc jouer 4 de la prudence, attention, déviation de la tête. Donc pour, disons, au niveau de la défense de l'équipe haïtienne, il y a un rentré de touche fait rapidement avec Frédéric au niveau pour l'équipe de cette Lucie. Il fait rapidement Alvinus Meilleuse. Que va-t-il faire? Le centre de la boîte, mais c'est Brian Alceus qui récupérait, qui font le ballon en profondeur. Oui, nous apprenons de vitesse, mais finalement, le défenseur équipe CPCA n'a pas exactement de Otev Lawrence qui mettait ballon ça. Donc, en touche, Otev Lawrence qui pas risqué, ni même tout soit sur ça, qui mettait ballon ça en touche. Zami, auditeurs, téléspectateurs, radio, télévision nationale d'Haïti. Haïti parti pour faire. Non.
deuxième victoire. Gagnez Sonny Mustivar qui a sorti. Sonny Mustivar qui t'a calé. Marqué premier goal là pour sélection nationale là. Après, Charles Junior t'a mettre match là. À 2-0. Oui, c'est Alexis qui est rentré. Non, le football c'est là. Ballon va passer dans la boîte. Oui, qu'est-ce qui a privé? C'est goalkeeper qui peut cette Lucie à Monsieur Vino Barcelet, le jeune portier de 19 ans, qui dégage rapidement pour l'équipe de cette Lucie qui a essayé de combiner. Ballon sorti dans la touche. Yon touche, yon bail. Et 3 minutes. Dans 3 minutes là, deux qui jouent déjà. C'est seconde cap côté pour Haïti font deuxième victoire. De la Ligue des Nations de la CONCACAF, il y a un match qui était supposé jouer à Saint-Lucie depuis vendredi 12 octobre passé, mais match ça t'a reporté pour aujourd'hui à cause des sélections et cricket Saint-Lucie. Il y a un match qui est à recevoir dans le stade que match a été programmé et il y a totalement des pour reporter match là pour nous. N'a noté que les cricket c'est pour roi Saint-Lucie et bien match là il vient de jouer du côté de Martinique aujourd'hui là. Donc c'est la match du Brésil là, lui a joué, donc il n'a pas les éléments de rencontre qui sur la télévision nationale d'Haïti. Attention, attaque avec Chano, il ça va le faire, lui faire maintenant, il tire finalement, il en tire qui passait à côté de la Ligue à l'époque. Vino Barcelet, le jeune portier de l'équipe de Saint-Lucie. Saint-Lucie qui prend le pronom des fêtes après une victoire contre Antigua dans le premier journée. Et bien ils sont là pour une défaite contre l'équipe haïtienne de football. La passe sur le fond noir réalisée par Ken Frédéric, la direction de Otim Lawent. La longue balle en avant, action de la dernière chance. Et finalement, la boule centrale, Richard Strivest. Mais un terme à cette rencontre. Victoire pour la sélection nationale de football. 2-1. Nous avons mis Julien à nous débattre. Mesdames, Messieurs, 13-0, Saint-Martin et Irlandais. Et là, Haïti fait tomber Saint-Lucie. 2-1. N'a noté Sonny Mustivar et Louis Collant pour Haïti. À la 13e minute de jeu, 34e minute, Charles Hall Junior. Tapral mettait match là à 2-0. Et puis, avant fin première mi-temps, gagné Bernal Williams qui Tapral réduit et calant. Pour l'équipe Saint-Lucia, pour mi-temps, c'est fini 2-1 d'avantage Haïti. Et dans deuxième mi-temps, mesdames, messieurs, pas de goal. Finalement, Haïti remporte la deuxième victoire. Haïti fait deuxième victoire dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. Haïti qui gagne rendez-vous avec formation Nicaragua. C'est pral en novembre dans le stade 2014. Toujours dans l'occasion Ligue des Nations de la CONCACAF, de l'équipe haïtienne qui a préparé le match donc à Martinique, côté où tu joué deux test match avec Club Colonial et Golden Star qui ont été battus 5-0 et 1-0. Mais si on même t'a suivi le match, le match qui a été dominé dans la possession de balle, 58% contre 42% pour cette Russie, et Haïti a dominé tout dans le score, tableau d'affichage. Haïti fait victoire, deuxième victoire pour l'équipe haïtienne. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Nos pommes, c'était Pierre-Miguel Pierre-Gilles.